code de pointage permet d'évoluer, de repenser la gymnastique. Mmh. Et c'est une bonne chose également. Sébastien Taillac au cheval d'Arçon. Un placement confortable du corps. Non, mais si vous voulez, je crains qu'on ne puisse plus faire de référence à la perfection qui était de 10. Lorsqu'une gymnaste exécutait son mouvement à la perfection aussi, mais avec quelques petites fautes, elle avait 9,80, 9,90. Maintenant, on descend à 9,20. Ça me paraît sévère. Oui, parce qu'au-delà de l'exécution, il faut que le mouvement soit très complet sur le plan des combinaisons, sur le plan de la technique, des exercices, des difficultés présentées. Et tout cela est jugé, pris en compte, de sorte que l'on peut peut-être mieux faire la différence entre les meilleurs gymnastes, c'est-à-dire ceux qui sont complets, qui font des enchaînements difficiles, des exercices difficiles, et qui en même temps maîtrisent dans un style parfait.